Ouh, c'est qu'est-ce qui s'est passé là? Salut, c'est Angel, le roi de la route. Salut, c'est Angel, on se retrouve pour de la course. Salut à tous, c'est Angel. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux crews dans un épisode spécial. Rappelez-vous de l'histoire, notre pote nous a demandé de l'aide. Il a été voir un gars dans une voiture et s'est fait tirer dessus. Le FBI nous a fait porter le chapeau sur le meurtre et on travaille pour eux. Pour démasquer celui qui nous a fait porter le chapeau. Aujourd'hui, ça va être Ford Mustang face et versus une femme qu'on va devoir tester pour le compte du FBI. Cette femme est censée pouvoir nous arrêter, mais tel que je me connais, je vais faire le first try et c'est moi qui vais l'arrêter. Oh yeah! Alors, salut à tous, c'est Angel, on se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse mission. Les temps de chargement sont longs, hein. Mais ça va, nos soucis. Alex, j'ai un service à te demander. Ouais. Je pense avoir trouvé le meilleur pilote de la police, mais j'ai besoin de savoir si elle a le niveau. Tu peux récupérer la cargaison illégale à l'endroit indiqué sur la carte? Si ma protégée Clara est capable de t'arrêter toi, elle pourra arrêter n'importe qui. Est-ce que je dois prendre ça comme un compliment? Prends-le comme tu veux. Alors? Je ne dis jamais non à une bonne dose d'adrénaline. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, on va jouer avec les autres touches. Alors, un truc aussi que je voudrais dire, c'est que quand la personne nous parle via son smartphone, elle ne bouge pas les lèvres. Alors, c'est quoi ça? Il y a une course de rue ce soir, des 5-10. Il faut qu'un V2 te remarque et t'appuie pour obtenir ton premier tatouage. Attends, Détroit, c'est chez moi. Quelqu'un va me reconnaître. Ça fait 5 ans, Alex. Le crew de ton frère a été dissous quand Shiv a pris le V8. Personne ne te connaît et si quelqu'un vérifie dans les fichiers de la police, il ne trouvera qu'un faux dossier que j'ai créé. Ouais, j'espère. Ouais, mais imagine que le mec me reconnaisse quand même. Je suis biaisé, hein. Bon, voyons voir ce que donne cette course. Alors désolé, on commence pas par la femme flic. Hein. Ça va. Concentre-toi. Il faut que tu finisses premier. Alors ma voiture depuis la dernière fois a évolué. Finis premier ou toute opération tombe à l'eau. Non mais t'inquiète. Hein. Je serai premier. Oula, 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 oula. On se calme, on se calme, on se calme. Putain de merde de voiture. Bon, c'est un petit raccourci, les mecs, hein, mais c'est first try, hein, first try. Hein. Alors, depuis la dernière fois, sachez que j'ai mis des vidéos sur différents jeux. Les fameuses séries que je vous fais en ce moment et que je continue. C'est Hélico. Oh merde, il y a les flics. Et ça, c'est mauvais quand il y a les flics. Donc, comme je disais, j'ai mis diverses vidéos sur Beyond Good Evil, aussi sur Assassin's Creed. Je me suis rendu durant le week-end au K10. C'était magnifique. C'est le centre à Charleroi qui va s'occuper du jeu vidéo, du cinéma et de l'art en fait numérique en Belgique. Et ils mettent en avant en fait l'éducation et diverses autres choses qui ont un rapport avec le jeu vidéo. Parce que on ne fait pas que jouer à un jeu vidéo, on fait bien plus que ça. À savoir qu'on fait des choix, on a le sens moral qui vient à se rajouter. Quand on veut par exemple à un jeu de zombies, ben,
vous devez faire des choix, et suivant les choix que vous faites, soit votre équipe va vivre ou ne va pas survivre. Et donc, je vous prépare en ce moment une petite vidéo là-dessus. On verra ce que ça donne. Et c'est le first try. C'est le first try. Il y a d'autres projets qui sont en cours de création. C'est à moi à voir comment ça va se faufiler. Qu'est-ce que j'ai gagné? Oh, mais regardez-moi ça. Un kit d'admission niveau 12. C'est pas beau, ça? Alors oui, ma voiture est niveau 209. Je compte la faire passer un jour au niveau 300 ou au niveau 400, je sais pas encore. Je n'aime pas ce système de dire que ta voiture, elle est niveau 209, niveau 150 ou tout ce que tu veux, parce que je ne trouve pas ça logique. Et j'aurais préféré qu'on va dans un garage pour changer de pièce, plutôt que de dire je vais gagner une pièce comme ça, quoi. Ça me fait pas logique. Mais bon, force est de constater que ta voiture, elle gagne quand même. C'est vrai. Moi, c'est Troy. Et je suis le V2 ici. Tu veux ton tatouage? Tu vas devoir bosser pour moi. Peut-être que je t'appellerai. Il est où? Il est où que je le défonce? Bon, on a un nouvel itinéraire alors. Alors c'est quoi? C'est ça ici? C'est quoi ça? Bon, ça on va pas le faire. Ah, c'est un défi. Ah, attends, c'est un défi vitesse. Si, on va le faire. Il y a certaines missions que je vais passer, hein, parce que. Enfin, certaines petites missions. Parce que c'est pas trop mon truc. Il paraît qu'il y a de nouvelles compétitions de voitures exotiques qui ont lieu dans tout le pays. Si tu veux participer, je te suggère d'aller à l'endroit indiqué sur ta carte. Allez, fonce. Bon, on a raté. C'est bizarre parce qu'instantanément il a arrêté de compter. Bon, c'est pas grave. On va aller voir cette femme flic pour voir si elle peut nous arrêter. En tout cas, ça fait, sachez que ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et on va continuer les différentes aventures en plus des Geek of the Life. Ça prend beaucoup de temps à monter un Geek of the Life. Surtout que moi, à chaque fois, je fais un nouveau générique. Donc, c'est toujours du boulot en plus, mais c'est fait avec plaisir. Alors ça c'est quoi ça? Ça c'est... Allez, on va le faire. Bon ben voilà, on a sauté. J'ai rien compris. Ah si, je ne suis pas déporté vers la gauche, je crois. Non, c'était vers la droite. Par contre, tu m'emmènes où, toi? Attends, attends, attends. Stop, 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 stop. Parce que là, il y a un point. Non, j'ai déjà pris le point. Alors, c'est un jeu qui est magnifique parce que là, si vous ne le voyez pas, bah, vous ne le voyez pas d'ailleurs, j'ai mon coude sur la table de mon bureau et... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais on s'en fout que c'est la mauvaise direction. Le GPS... Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh! J'ai retrouvé une nouvelle pièce. Ça fait 2 sur 20. Donc apparemment avec ces pièces là on va pouvoir créer une belle voiture. Hein. Franchement c'est génial. Alors, sachez que je ne suis pas amateur du découpage quand je joue à des jeux vidéo. Je sais pas par exemple comme Squeezie qui coupe ses vidéos. Parce que je trouve que c'est mieux pour vous de voir toute la vidéo en entière que d'avoir des passages coupés où vous n'avez pas vu en fait ce qui s'est passé. Bon, ça m'arrive des fois de couper, hein.
mais c'est pas tout le temps vrai. Dur de garder sa vitesse quand on est comme ça. Oh l'enfoiré, à cause de lui, je l'ai pas eu. Tant pis, c'est pas grave. Alors là, comme je vois que la route elle est longue, je vais peut-être couper. Mais c'est bizarre que ça soit aussi long. Vous avez vu ce qu'il y a en face de nous? On dirait un circuit. Eh oui, c'est un circuit. C'est là qu'on va? Je ne sais pas. En tout cas, on est arrivé à destination. Alors, épreuve spec extrême. Voyons qui va être à mes côtés comme femme, si c'est un policier ou pas. Chargement. Dans les Monster Arena, tu dois marquer un maximum de points en ramassant des cibles en un temps limité. Ok. L'arène est remplie de rampes, de tremplins et d'obstacles en tout genre. Ok. Oh putain! Ça c'est du Monster Truck les mecs. Ça j'adore. Pour gagner de l'argent, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai que niveau argent, on n'est pas grindé. Hein. Un truc que j'ai remarqué en courant le jeu, c'est qu'il y a certains véhicules qui sont bloqués. Oh oui, 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 oui. Ah bah ouais. Eh. Logique, hein, ça. Logique que je me retourne, les mecs. Ouh là 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 là, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Merci, il reste une minute. On va essayer de tenter ce truc là. Non, 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 non. Il y avait un chien? Ah, j'ai pas réussi. Non, reviens en arrière. Il reste 30 secondes, on peut peut-être encore... Ouais, mais non, ça n'ira pas, là. Ouais, allez. Ah, j'y ai cru, j'y ai cru. Allez, c'est pas grave. De toute façon, c'est terminé. Voilà. Donc, combien j'ai fait? Dites-moi tout. Mission accomplie. 11 727 points, les mecs. C'est pas beau, ça? Et j'ai gagné beaucoup d'argent, j'espère. Épreuve de Drac. Oula, c'est quoi ça?
Accélère pour garder un tes pneus dans la zone verte. C'est quoi le mauvais berne? Et mon parachute, il va sortir enfin. Enfin, j'espère, hein, parce que je voudrais pas crever, non? Oh, c'est beau ça. Oh, et ils ont pensé à tout. Bon, attends. Run terminé. On peut recommencer parce que j'ai adoré. Merci. Prochain run. Ah, ça, ça fait plaisir d'avoir différentes courses comme ça. Run 2, donc en fait. Peu plus rapide là. Ouh là là, attention, on va dépasser les 400. Dépasse les 400. Oui, oh. Allez, 450 480 480 480. Allez, 500. Oh, 495. Mais non, c'est bon là. Ah, on a été plus rapide, je pense. Ah oui, run terminé et on est premier, les mecs. Eh ouais. Eh ben, ça s'invente pas, ça. C'est first try, les mecs. Eh, c'est un bon burn, hein, n'empêche, hein. Non, non, mais moi, je dis qu'on va être first try, là. 100 km, 200. 300. 400. Allez, 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 on peut les faire, on peut les faire, on peut les faire, on peut les faire. 495 encore une fois, c'est beau. Hein. Oh là là. On peut la garder, la voiture, là, parce que j'aimerais bien la voir, s'il vous plaît. Et toujours premier, first try, mais non, mais... Passage vitesse mauvais. Ah, c'est parce que... Mais attends, elle est pas automatique. Expérience. Et pourquoi j'ai 0 points d'expérience? J'ai été premier partout. C'est quoi ce vol? Oh non, arrêtez là, je suis déçu, là, je suis déçu. Maintenant, là, je suis déçu. J'aurais dû gagner quelque chose. On m'expliquera en commentaire pourquoi j'ai pas de points. Alors, épreuve de drift. Ouf. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Alors je me rappelle quand je jouais à Need for Speed Underground, que ce soit au 1 ou au 2, j'aimais bien le système de drift. C'est vrai que ça me bottait bien ce système là. Et on y gagnait beaucoup de points, n'empêche. Hein. Et si aussi tu me dirais que t'en gagnes aussi. Par contre, je me prends trop de murs. Ça, par exemple, ça... Oh la purée, l'arbre, il a été... Et comme dans un Afro Speed Underground... Allez, reprends le contrôle de ta voiture, s'il te plaît. Dans un Afro Speed Underground, tu as différents tours à faire. Par contre, il y avait un glitch qui permettait de faire des runs rapidement et facilement. Oh, il est bon celui-là, j'ai failli faire 1000.
Non mais là, laisse tomber, je continue pas là. Bon, 5805 points. Mission accomplie. Épreuve de Drist. Quoi, pas de points d'expérience? C'est pas possible. Sous ma gueule. J'ai fait des points pourtant. Beau travail. T'as fait une grosse impression pendant les essais. T'es invité au Summit. Le Summit est un tournoi d'une durée limitée qui propose plusieurs épreuves. Tu devras être à la hauteur dans diverses disciplines pour avoir une chance d'empocher les récompenses. On a les coordonnées des préparateurs que tu peux aller voir pour trouver un de ces modèles exotiques. Rift, Drag, Monster, c'est comme tu veux. Ton premier véhicule exotique est offert. Mon véhicule exotique est offert. Oui, alors t'es bien gentil ma mignonne. Vous inquiétez pas, on les fera dans... C'est quoi ça? Non? On les fera, hein. Ça c'est acté. Restriction, spec requise, niveau requis 1. Récompense. Et là c'est quoi là? Là c'est le vendeur. Bon. Écoute-moi, j'ai un truc à te dire. J'ai une livraison pour un client spécial. Un client spécial? On va filer un bac chicha à un juge ou quoi? Un truc dans le genre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si c'est foncer dans une voiture tout ça, j'adore ça. Oh là là, ouais, donne-moi la voiture, donne-moi la voiture. Fais gaffe à cette bagnole. Si tu l'abîmes, je t'abîme toi. Ah viens, viens, viens que je t'abîme moi, moi tu vas voir moi. Ta voiture je vais te la défoncer moi. Je vais te la carboniser. Elle va exploser tellement qu'elle aura reçu de choc mon gars. Ou alors je te la vole et je vais ailleurs. C'est aussi simple. Écoute-moi attentivement, je me répéterai pas. Livre cette bagnole sans l'abîmer. Ça, c'est une spec verte. Ça va plus vite que ce à quoi t'es habitué. Mais ça colle à la route. Pousse-la. Mais si tu la casses, je t'éclate. Et tu penses que j'ai peur, franchement? Non, mais allô, quoi. Oula, oula. Ah, trop fort, les mecs. J'ai de bousiller sa bagnole. Moi qui pensais faire attention. Ah, c'est râpé. Hein. En plus, j'aime bien le mec. Il me connaît pas. Il me file une voiture super... cher quoi. Alors, elle est pour qui? Certains boss des Falchdale passent ici de temps en temps. Des V6. J'aime bien leur faire des petits cadeaux. Histoire d'entretenir l'amitié. Et le V8, il vient jamais dans le coin? Pas encore. Mais quand je serai V4, peut-être qu'il viendra. Mais... je suis censé l'offrir à quelqu'un. Non mais allez, refais le calcul là. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fous? Ça bouchonne à mort, j'arrive tout de suite. Eh, 2 minutes. Le GPS fait un calcul en cours. Pour ceux qui connaissent ce fameux calcul du GPS. En tout cas, mine de rien, il s'est passé beaucoup de choses hein, dans cet épisode. Hein. Bon, c'est un fail, hein. On s'en doutait. Hein. Non, B, recommencer. Tu penses bien que je vais pas me laisser avoir par ça. Il n'y a pas de risque, copain. Moi, quand je conduis une bagnole, il se passe rien avec, si ce n'est que je fais des excès de vitesse sans accident. Pas à qui je vais faire croire ça, franchement. Déjà la première fois t'aurais dû m'éclater mon gars, j'ai pu recommencer la mission, alors tais-toi. Hein.
Alors désolé pour la première course que j'ai ratée, mais c'est parce que je connaissais pas la voiture. L'excuse de ça. Grâce à cet moment, il m'a dit que. Oula, j'ai évité de lui tamponner l'arrière du train. Par contre, il va falloir se dépêcher parce que le timing, on dirait qu'il est serré. Pourtant, je suis pas en mode de difficulté. Extra, extra, extra. Certains boss des 5T passent ici de temps en temps. Les V6. J'aime bien leur faire des petits cadeaux. Histoire de retenir l'amitié. Et le V8, il vient jamais dans le coin? Pas encore. Mais quand je serai V4, peut-être qu'il viendra. Pas loin. J'entends comme un tour ronronnement. Hey, on n'a plus beaucoup de temps là. Deux secondes, je suis. Mais magnifique! First try, les mecs! First try! Ah, ça. Hop! Bon, un peu l'avant, mais ça se voit pas trop. Eh! De l'or est à nos portées. Et on a gagné une suspension au niveau 12. C'est la Gold Extra Plus de suspension. Elle est toute en or. Elle résiste à tout. Fais gaffe à la peinture. Ah ben, on continue, les mecs! Bientôt, je serai le boss de cette région. T'auras ton tatouage, et moi, j'aurai un yacht. C'est magnifique. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est si tu veux bien lancer la carte, merci. Je suis là, ça serait peut-être bien d'aller là. Et nous allons faire une deuxième mission. Hey, j'ai un job pour toi. Il y a un malade qui se croit tout permis chez moi avec son gros truck. Donne-lui une leçon. J'ai mis sa position sur ta carte. J'ai trouvé un véhicule de spec raid pour ce boulot. Prends-le. Tu vois la cible ? Ouais, je le vois. Bon, maintenant explose-le. Finis-le, vite. Qu'est-ce qui presse? Les flics. Ce genre de job a tendance à attirer l'attention, tu saisis. Allez, cette fois-ci, c'est le first try. Nous ne pouvons pas accepter autre chose. Oh, comme je te défonce, mon gars! Par contre, il y a au schnapps, hein. Au lieu de faire marche arrière. Hop là! Hop là! Attention, le roi de la route se ramène. Celui-là, je l'ai sorti d'ici. Finis-le! Mais bien sûr que je vais le finir, mon gars. Alors c'est bien parce que ces voitures peuvent aller dans l'eau. Par contre, elle me distance, hein. Elle est plus rapide la sienne, je suis désolé, hein. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, hein. Me stresse pas, mon gars.
Allez, purée, il me reste plus beaucoup à lui défoncer. Oui, oui, je sais qu'il reste une minute. Je sais, ne t'inquiète pas. La torpille, regardez-moi ça. Ce scud qui est parti dans le... dans la portière, là. Ça, ça fait plaisir. Alors, un scud, c'est pas une torpille, c'est un missile. Hein. Je sais. Bon. On a la bronze, mais on s'en fout. C'est quand même appréciable. On a quand même du niveau 12 en or. Ça fait plaisir. Bah, équipé, oui. On a gagné l'expérience. Et on va faire un petit retour en freeride. C'est fini? Ouais, je crois qu'il a bien reçu le message. Bon, cool. À plus. Alors les amis, on va pas s'arrêter là. Je suis chaud et d'humeur à vous proposer l'autre mission. Non. Attendez. Escape. Obtenir réparation. J'organise des courses illégales en ville. Mon problème, c'est que les gens gagnent trop souvent. Rends-moi service et arrange-moi ça. Ça roule, je suis ton homme. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Putain, mais vous êtes trop généreux avec vos bagnoles. Mettez-les-moi dans mon garage aussi. Ratisse-leur jusqu'à leur dernier dollar. Alors, j'aime bien les plans de coupe qu'ils ont insérés parce que c'est magnifique. Ouh, c'est qu'est-ce qui s'est passé là? Déconne pas. Gagne la course, combattre ces connards en faillite. Oula, c'est bon ça. C'est une caisse de Spectre. Mais t'y trompes pas. Tu peux malmener ce type de bagnole. Ouais, je sais ça. Une Spectre saute mieux qu'une Spec Street. Essaie de prendre des raccourcis avec. Reste premier. Ah, maintenant je bouge plus mon gars, je reste premier. Oh là, oh là, oh là. Je suis premier les mecs. Hey, réveille-toi, mec. Tu vas laisser ces blaireaux battre. Ça n'a jamais été mon intention mon gars. Jamais. Tu entends, je suis premier, je reste premier. Ah, j'ai un... Ça, c'est un bon drift, ça. Te prends plus le mur, s'il te plaît, ou tu seras plus premier. Allez, arrache-toi. Finis-moi ça. J'ai pas regardé à l'arrière de moi s'il y avait quelqu'un. Mais first try, les mecs, first try. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du gameplay, ça. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est premier ça. Bon, la voiture a un peu morflé, mais elle est faite pour ça. Et de l'argent. Ça remonte la cote. Et bien sûr, des injections niveau 12. En métal super chromé. Ça résiste à tout. Non, non, on continue là. C'est beau ça. Ah, c'est beau. Beau travail, mec. Tu commences à te faire connaître dans la rue.
Et ça me fait une bonne pub. Allez, reprends la route. Il y a du boulot qui t'attend. Eh bien, mes amis, à toutes les unités, on nous signale un chauffard dans les parages. On va se terminer. Oh, j'aurais voulu que la... Attendez. On va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose. C'est pas avec ça que je vais réussir à meuter la police. Hein. Je veux que la police arrive. Je sais qu'on c'est possible à faire. Il faut faire du grabuge dans la ville. Alors. On s'arrête là parce qu'on l'a pas vérifié. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ce fut un bel épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Sachez que si vous voulez me soutenir, rien de plus simple. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Aujourd'hui, il faut s'abonner pour soutenir ses youtubeurs préférés. Et si vous m'aimez bien, bah faites-le. Ça me fera extrêmement plaisir et ça me permettra de me faire connaître. Je vous dis à plus dans un épisode de The Crew. Bise, c'était Angel.